départ, le sortie gris. Bah, c'est bien parti hein, ouais, sur l'intérieur. Benoît Paturel est bien sorti. La KTM de Paul Jonas. Dylan Ferrandis, hein, à mon avis. Dylan Ferrandis qui doit faire le all shot. Paul et c'est Jonas, beau. Paturel. Oh, Benoît qui a été tapé hein, sur le côté. Bon, il y a plusieurs pilotes qui sont sortis de la piste. Benoît était très bien parti, troisième, il s'est fait emmener sur l'extérieur, mais devant, c'est Dylan Ferrandis et avec tout de suite l'attaque. Exactement, l'attaque tout de suite hein, de Jeffrey Herlings. C'est Jeffrey Herlings. Du coup, on était en train de regarder plus Benoît Paturel, où c'était un peu chaud avec la sortie de piste de Bernardini. Paul Jonas, troisième. Petar Petrov me semble bien parti, tout comme Jeremy Seward. Voilà, Jeffrey Herlings qui, à mon avis, va donner le ton tout de suite. Alors c'est peut-être pas Petrov, hein, c'est peut-être Brilyakov, le pilote russe plutôt. On va changer les cas, ouais, c'est Brilyakov hein, qui est là avec le numéro 18. Qui tout à l'heure nous a fait une grosse chute, on avait eu peur qu'il était allongé sur le bord de la piste et après il s'est bien récupéré donc on n'avait pas... Ah, chute, bah, justement chute, c'est lui. Hein. Ouais, là par contre c'est bien lui. Alors ça ferait Herlings, Ferrandis, Paul Jonas, Jeremy Seward, Petar Petrov. Chute de Anstey. Oh, Max Anstey. Et on voit avec le démarreur sur, sur la moto. C'est reparti. Ça va être encore très difficile pour le Britannique. Max Anstey qui repart très attardé. Donc on était sur le classement provisoire avec Herlings, Ferrandis, Paul Jonas, Jeremy Seward. C'est bien Petar Petrov hein, qui est là. Juste devant, me semble-t-il, Alexander Tonkov. Et on a bien de nouveau hein, les quatre leaders de la première manche aux avant-postes. Bernardini, hein, une fois de plus dans le top 10. Ouais, il est bien Bernardini. Et Benoît qui est aux portes hein, du top 10, on le voit hein, sur le haut de l'écran. Il avait fait un excellent sortie de grille, malheureusement il s'est fait un petit peu emmener.